réseau de followers, c'est devenu une vraie machine de guerre. Tu peux être fier, c'est toi qui as lancé tout ça. Là où DeadSec était qu'un tas d'idées désordonnées, t'en as fait un mouvement. Les gens portent tes logos, ils scandent tes slogans, t'as vraiment fait un super boulot. Merci, beau gosse. Mais n'oublie pas qu'on a un objectif. Tout ce que je fais, je le fais pas pour qu'on me passe de la pommade. Ce que je veux, moi, c'est que les gens ouvrent les yeux. Ça va pas tarder. Ils sont aveugles depuis trop longtemps. Hey. Wow. Fuites d'emails confidentiels ont eu des conséquences pour le moins inattendues pour les studios HMP. Le contenu des documents fait état d'une collaboration contentieuse en cours avec Galilei, la société à l'origine de l'onéreuse voiture high-tech, à l'affiche du dernier blockbuster du studio, Cyberdriver. Les emails révèlent qu'un cadre du studio aurait qualifié le véhicule de vulgaire caisse à savon et menacé de poursuivre en justice la compagnie aérospatiale. En ce qui concerne le studio HMP, c'est un mal pour un bien, car l'intérêt pour le film est monté en flèche suite au piratage, faisant de Cyberdriver un des plus gros succès de l'année. D'après la police, le studio n'a pas encore porté plainte contre le groupe de hackers. Suite de l'affaire sur WKZ. Yo Orange! Salut mec! Putain, j'espère que tu gardes les tickets! Tiens, regarde-moi ce guignol là! Alors parlez-nous de Home 2.0. Les systèmes Home sont entièrement inattaquables et vous garantissent une sécurité absolue. Sacrée affirmation! Vous n'avez pas peur que des groupes de hackers le prennent comme un challenge? Appelons-les par leur nom: DeadSec! S'ils veulent s'attaquer à nous, je les invite à essayer. Home 2.0 est un OS qui sait se défendre. Attends, il a carrément parlé de nous, là. Yep. Il sait pas à qui il a affaire, lui. C'est la guerre, maintenant. C'est pour ça que j'essaie de craquer 2.0. Il reste juste un... tout petit problème. Quoi? Attends. Tiens ça. Et recule un peu. Super, voilà, comme ça. La puce. Et un peu... difficile à extraire. En fait, ça sert à rien d'utiliser le matos de la version précédente pour craquer le nouvel OS. Pourquoi? Parce qu'ils ont modifié les ports. Conformément au guide de l'obsolescence forcée pour capitalistes. Heureusement, un petit oiseau m'a dit que 2.0 contenait une vulnérabilité. Zero day. Bah alors ça, c'est pas de bol. Tu m'étonnes. Du coup, toi, mon pote, tu vas me trouver un chargement de précommande de 2.0 avant qu'un putain de White Hat dise à Home comment nous... faire à moi. T'as une relation super chelou avec la technologie, toi. Tu le sais, ça. Il pensait pas ce qu'il disait. Et de l'autre côté, il a fait la même chose. Ah!
Marcus, t'as vu? Les followers continuent à arriver. Ça va faire réagir Bloom, ça. J'arrive pas à croire que les gens leur aient laissé autant de pouvoir. Tous ces trucs de science-fiction qu'on lisait quand on était gamin, Big Brother, le contrôle des pensées, le pré-crime, c'est devenu la réalité. À cause de Bloom et de leur CTOS, les romanciers avaient tout vu venir, mais personne les a cru. On a trop la tronche dans des banalités et des images de marques lissées pour réaliser que tout ça, c'est un putain de cheval de Troie géant. Mais ouais, le CTOS fait exactement ce que Bloom a annoncé qu'il ferait. Et ça, ça nous aide pas. On lutte contre un système qui aide les gens en surface, mais qui se sert d'eux en douce. Du coup, bah, c'est facile de nous faire passer pour les méchants. J'ai une petite question. Est-ce que DeadSec a un accès total au CTOS? Dans d'autres villes, quand c'était la version 1.0, ouais, on avait le champ libre. Mais le truc, c'est qu'on a fait les cons, on s'est vu trop beau. Et malheureusement, on a raté l'occasion de frapper fort. Alors aujourd'hui, vu qu'on est les premiers à s'en prendre au CTOS 2.0, bah on a un train de retard. Ce coup-ci, ils nous attendaient. J'imagine un grand tableau blanc dans un bureau de Bloom avec écrit DeadSec dessus. Ouh, ça me fout une demi-molle. Tant mieux pour toi, mais faut continuer. Il faut rester sur ce tableau. Bon, ok, je suis au centre de distribution. Ok, super. Faut que tu localises un ordinateur. Un vieux modèle tout carré et tout caca. Home s'organise en utilisant la combo numéro de plaque plus destination. La technique du vieux crétin, quoi. Enfin, si le vieux crétin, c'était genre une entreprise. Ok, je vais voir ce que je peux trouver. Où est-ce que t'es? C'est bon, ça? C'est bon, j'ai la liste. Ok, super. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est trouver le centre de distribution et faire correspondre le numéro de la plaque d'un de leurs camions à celui du camion qui se dirige vers le centre-ville. Waouh, c'est analogique, ça. Je te l'avais dit. C'est le Moyen-Âge. J'ai trouvé le camion. Super! Bah qu'est-ce que t'attends, mon pote? Au boulot, allez! Sur ma cible. Je rentre à la base avec le chargement. Je prépare le comité d'accueil.
merde. De la merde. À chier. Oh, attends un peu. Ah, quand même, il y a quelque chose de bien. Non, c'est de la merde. Pourri. Oh, 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 oh. Et ben voilà. Là, on a un truc de bon. Remarque, il est peut-être pas bon, hein. Ça se trouve, il est super méchant. Bah, j'en sais rien. Ça vient de chez Home, après tout. Bon, je vais préparer ce petit connard pendant que toi, tu vas nous chercher de la caféine. Quoi? Tu veux que je prenne des cafés pour vous deux? C'est un robot. C'est pour toi et moi, la caféine. Ah, ok. Lui, il prendra un déca. Bon. Ces gadgets Home sont pas 2.0 pour rien.